Tranquille. Lolo beauté, tranquillement tranquille. Partagez-moi le live, mettez assez de cœur. Parce que je vais parler encore fort. Ces deux jours-là, il fait des exercices. Oui. Pour diminuer le ventre. Et puis en plus, je vais vous présenter les gaines. Partagez le live, mettez les cœurs. Abonnez-vous à ma nouvelle page. Résumé méta. C'est de ça qu'il s'agit. Connectez-vous et taguez vos amis. Voilà. C'est Lolo Beauté qui fait le son. Celle-là qui allume et tout le monde se met sur la lumière. Celle-là qui éteint et tout le monde rentre en bouche. C'est moi qui fais le son. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tranquille. Comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien. Vous savez, j'ai deux pages qui sont très restreintes au risque même d'être supprimées. La page fan de Lolo et puis Lolo Beauté. Voilà pourquoi j'ai créé résumé de méta. Je fais mes directs là-dessus. Partagez le direct parce que je vais parler fort. Oui. Lolo Beauté, la digne sœur du général Camille Makosso est là. C'est moi, ça chauffe pas. La plus belle de la toile. Celle-là même qui a poussé 5 enfants et puis elle reste toujours fraîche. C'est moi, Lolo Beauté. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Maman a 5 enfants. Mettez en commentaire. Maman a 5 enfants. Et j'en suis fière. Celle-là même qui a pu ramener ses enfants en Europe. C'est moi, Lolo Beauté. Ça chauffe pas, t'es ce caban. Si ça chauffe, c'est que c'est poudre. Si ça chauffe, c'est que c'est maïs. Si ça chauffe, c'est que c'est les animaux. C'est moi, Lolo Beauté, qui fait le son. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Parce que je vais m'adresser à une personne que j'aime. Oui, oui, oui. Même s'il faut te dire que c'est hypocrisie, ma chérie, je vais te dire, mon Lolo Beauté, quand j'apprécie quelqu'un, je t'apprécie, mais je ne te juge pas. Oui. Convoquez-moi Sylvia Vette de Paris. Ma bédine, c'est Gérie. Anne-Gunugo. Ma bédine, c'est Sylvia Fâché. Anne-Gunugo. Sylvia. La partie de ton film même que j'aime, là, c'est ça, là. Où t'es en militaire, là? Zoom, allez-leo, aïewa. Allez-o, aïewa. Zoom, allez-leo, aïewa. Zoom, allez-leo. Ils ont libéré, aïewa. Ils n'ont pas encore libéré, il est encore là-bas. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Et puis, mettez-moi les cœurs. Je vais m'adresser à ma petite soeur chérie, Sylvia Vette de Paris. Mettez-la, taguez-la, s'il vous plaît. Parce que elle, je lui dois un respect, une considération. Je peux prononcer son nom et faire un direct spécial pour lui donner une réponse. Toi seulement, je peux. Parce que tu es une femme de valeur. Oui. Mets ta caméra et puis écoute-moi. Ma petite soeur chérie. J'ai vu ton direct. Ma Sylvia, mettez-moi les cœurs. Partagez le direct. Je ne vais pas être longue. J'ai vu ton direct, ma petite soeur. Où tu m'as dit que je ne suis plus ton exemple. Je ne suis plus l'exemple de Sylvia. Oh. Hey, Sylvia, oh. Pourquoi tu fais ça toi aussi? Amusez-moi, on est dedans là. Toi, tu vas mettre tes organes dedans. Attends, comment ça, je ne suis plus ton exemple? Ma petite soeur chérie, si tu dis aujourd'hui que tu ne suis plus ton exemple à cause de ton grand frère Peter, ma chérie, ma petite soeur chérie, laisse-moi te dire que pour mon frère, le général Camille Makosso, là, je suis prête à aller jusqu'à la gare avec certaines personnes. Oui, tu aimes ton grand frère Peter adoptif. Moi, j'aime mon grand frère de même père, même mère, où on est sorti du même ventre. Je l'aime, je l'adore, je le vénère même dans quelques fois, dans certaines circonstances. Donc, ton direct que tu as fait hier, ton poste que tu as fait hier sur mon Lolo Beauté, tu as raison, c'est la vérité.
Je suis une grande hypocrite. Oui, je ne vais jamais. Je dis, blogueur, je ne clash plus blogueur sur la toile. Et puis toi-même, même si tu m'insultes un jour à cause de Peter, je vais te dire que ma chérie, tu vois comment ça fait. Que pour un grand frère, on est prêt à aller au charbon. C'est ça que je voulais voir de toi. Et c'est ce que j'ai vu. Tu es une bonne petite soeur comme moi, Lolo Beauté. Une digne soeur du général Atangana. C'est ça qu'on appelle une soeur. Quand on est une soeur, on défend son frère. Bec et con et ongle. C'est ça, la guérilla. C'est ça qu'il s'agit. J'ai vu ton direct hier. Partagez-moi le direct. Vous savez, les samedis, c'est pas évident. Où tu as dit, je récite. Ma grande soeur, attends, je vais aller sur ta page. En tout cas, tu me connais. Hein? Ma petite soeur chérie, tu me connais. Ah oui. Oui, ma petite soeur là-même. Sylvia, la lionne. Sylvia, ma lionne. Sylvia s'est préparée. De toute façon, sa nourriture est doux. Voilà. Je vais. Aïe, où est le poste là? Un mot pour celle que j'ai appelée ma grando Lolo Beauté. Lettre ouverte. Tu as dit, Sylvia, je fais plus de clash parce que je vieillis. C'est vrai, Sylvia. J'ai 5 enfants, je vieillis. Arrivé à un moment donné, il faut que je me concentre à mes entreprises. Je n'ai plus le temps pour les injures. C'est vrai, je te l'ai dit. Je veux changer. C'est vrai, j'ai trop changé, ma chérie. On ne peut pas changer du jour au lendemain. On va faire un processus de changement. La personne qui te dit du jour au lendemain, j'ai changé, c'est un menteur. On va dans un processus de changement. Parce que seul Dieu peut toucher notre cœur et nous faire changer. Je veux être en paix. Car quand j'insulte et que je dors la nuit, je ne dors pas bien. C'est vrai. Quand je finis d'insulter certaines personnes-là, quand je dors la nuit, je ne dors pas bien. Mais pour Peter, là, quand je l'ai insulté, là, les anges même sont venus auprès de moi. J'ai bien dormi. Ça, franchement, je te le dis. Je ne suis pas en paix. Alors, Grando, par les clashs qui t'empêchent de dormir, mais c'est la rancune qui est pleine dans ton cœur. Oui. La rancune est dans mon cœur. Envers ton grand frère Peter, 007. La rancune était partie arriver à un moment donné. Mais je vais t'expliquer comment la rancune est revenue. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Parce que je dois t'expliquer certaines choses. Pour le respect qu'il y a une autre entre nous. Pour la considération qu'il y a entre nous. Si je te dis que Mimi est dans mon téléphone depuis affaire, depuis que tu as commencé. Lolo, ne mets pas ta bouche dedans. Mais ma chérie, je vais te dire. De la manière que tu défends ton grand frère, je défends le mien. Et je vais t'apporter les preuves. Maman, la preuve. Il faut beaucoup prier pour enlever la rancune qui t'habite. Ce démon-là n'a qu'à rester. Parce que c'est ce démon-là, quand les personnes sont en clash avec Lolo Beauté, là, il rappelle tout ce que Lolo Beauté a fait dans le passé. Donc nous tous, nous sommes rancuniers. Oui, le Seigneur va enlever, j'ai bois l'eau bénite. Mais il va enlever pour nous tous, parce que nous tous sur la toile, on est rancuniers. Attends qu'une personne soit en prison pour se jouer les gangabars, c'est l'acte le plus lâche. Le reste, c'est pas très important. Ma petite soeur, je vais aller point à point. Quand je t'ai dit que moi, Lolo Beauté, je ne fais plus de clash, c'est vrai. Parce qu'on était convenu qu'on allait faire un clash arrangé. Quand tu mets une phrase, pardon, va jusqu'au bout. Parce que nous, la famille Makosso, là, quand c'est nous, là, c'est nous, on est les mauvais. On a eu un appel où on devait faire un clash arrangé. J'étais dans la voiture avec mes enfants. Je te l'ai dit, voilà le ciel et la terre. Les histoires de clash arrangés, je n'en veux plus. Parce que les personnes que j'ai clashées auparavant, là, c'est les personnes avec qui j'ai marché, j'ai mangé. C'est avec les personnes qu'on a eu des affinités. Même si c'est gâté aujourd'hui, que je ne veux plus être avec ce genre de personnes-là. Ma petite soeur, je ne peux plus faire les clashs parce que quand je dors, j'ai des remords. Et tu sais avec qui vous voulez, on avait voulu faire le clash. Je n'en fais plus. Parce que les clashs, ça ternit l'image. Les clashs, ça prend de l'énergie. Parce que ceux qui sont derrière la caméra, là, ils ne savent pas si c'est un clash arrangé ou bien si c'est vrai, vrai. Je suis vieille, ma chérie. Je suis à bout de nerfs. Mes nerfs ne fonctionnent plus bien. Laissez-moi grossir dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en cela que je t'ai dit que je ne fais plus de clash. C'est en cela que je t'ai dit que je ne vais plus allumer ma
caméra pour insulter X ou Y. Parce que je suis fatigué des injures. Oui, je suis fatigué. Je sais très bien insulter. Je sais très bien faire clash. Personne sur la toile ne me moyenne moins lolo beauté. Je suis une gangaba. Malgré maman a 5 enfants. Mais je dis et je répète, je n'en fais plus. Je te l'ai dit à toi. Parce que le clash arrangé, là, si on avait fait, là, j'allais avoir de l'argent sur Facebook. J'allais avoir de la notoriété sur Facebook. Mais est-ce que c'est ce que mes enfants veulent retenir de moi? Non! Je n'en fais plus les clashs arrangés. Parce que mes abonnés sont fatigués. Ils vont dire, Lolo, tu dis, tantôt tu dis tu sors d'un clash. Tantôt tu dis que tu reviens d'un clash. Tantôt on ne sait plus où tu es. Donc les histoires de clash arrangés, toujours quand ça tombe sur la famille Makosso, c'est nous, notre nom, là, qui reste en dernier. Oui! Les clashs arrangés, là, quand on finit de faire, là, c'est nous, la famille Makosso, là. Notre nom, les gens prennent ça pour se piriger. En vrai, on est la seule famille de la Côte d'Ivoire. En vrai, que sans la famille Makosso, il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir leur blog. C'est en cela que je t'ai dit non. Que je n'arrive pas à dormir. Sinon, je dors. Quand quelqu'un te dit qu'il n'arrive pas à dormir, c'est une métaphore. C'est une manière de dire que j'ai fait mes 7 heures de sommeil, mais j'ai un petit pincement au cœur pour me dire que, en vrai, que je suis allé un peu fort. En vrai, que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. C'est des gens de remords. Sinon, c'est un clash. J'ai raison. Sinon, c'est pas parce que j'ai raison que je dois venir allumer ma caméra, rentrer en profondeur et puis venir m'asseoir. Oui, j'ai des remords. Tu ne me connais pas encore bien. Je suis véridique et je reste droit dans mes portes. Je l'ai dit. En venant à ton grand frère Peter, que tu es en train de défendre, c'est bien vrai. Une lionne ne doit jamais laisser un lion derrière. Oui. Ton grand frère Peter, vous dites que Lolo Beauté, il ne faut pas attendre que quelqu'un soit en prison pour venir régler tes comptes. C'est la lâcheté. Ton grand frère le plus lâche. C'est lui qui m'a appris la lâcheté. Oui. Vous savez, j'apprends très vite sur la toile. Avant, je n'insultais pas les parents. Je n'insultais pas les enfants. C'est quand les gens ont commencé à traiter mes enfants que je suis allé soulever les parents. Je copie ce que les gens m'apprennent. Ton grand frère Peter 007. Oui. Il m'a appris que dans les moments difficiles d'une personne, c'est en ce moment précis qu'il faut sortir sur la personne pour lui dire ses quatre vérités. Exemple, lorsque je venais d'accoucher de mes enfants avec 3 mois, ton grand frère Peter 007, c'est en ce moment précis, il s'est levé, il a mis sa caméra pour m'accuser. Il a mis sa caméra pour me vilipender. Il a mis sa caméra pour dire tout et n'importe quoi sur moi. Parce que j'étais en moment de faiblesse. La preuve, quand j'étais dans mes moments de djangaba là, quand on a appris qu'il était marié en Côte d'Ivoire, là, je suis sorti sur lui. Vous appelez quoi la faiblesse? Vous appelez quoi la lâcheté? Peter, dans son dedans, dans son dehors, je le clash, il ne peut pas me répondre. J'ai gueule que lui. La première fois que ton grand frère Peter me clashait, j'étais en moment de faiblesse. J'étais nourrice. Sylvia, tu as une fois accouché dans ta vie. Avoir ne serait-ce qu'accoucher un enfant, c'est fatigant. À plus forte raison, accoucher des jumelles. Je passais des nuits blanches. Mes enfants étaient nés prématurés. Je m'occupais de leur santé nuit et jour. Ton grand frère qui est au bâtiment C, il n'a pas pensé que cette femme-là, je ne dois pas venir l'attaquer parce qu'elle n'est pas dans clash. Au moment où Peter venait moi me clasher, je n'étais pas dans clash. J'étais une maman qui parlait de, voilà, comment attraper, comment écarter les jambes, comment faire ceci. En quoi est-ce que ça le dérangeait en ce moment précis? Je te pose la question. En quoi est-ce que ça le dérangeait en ce moment précis? Il était épris de jalousie. S'il voulait me mourouki, me draguait, j'allais écarter, maman, écarter si, pour le mourouli. Mais non, j'étais dans les moments de faiblesse. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, puis partagez-moi le direct. Abonnez-vous à ma page, résumé de Meta. Mettez-moi les cœurs, parce que je dois expliquer certaines choses à mes abonnés. Oui. Moi, Lolo Beauté, je suis une comédienne, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Oui, je deviens très mauvaise lorsqu'on veut attaquer mon frère et on veut l'accuser de tout et de n'importe quoi. Là, je deviens mauvaise. Allô? Oui, bonjour, je suis en direct. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp, c'est pour les produits. Oui, écrivez-moi en WhatsApp, s'il vous plaît. Je suis en direct. Écris en WhatsApp, s'il te plaît. Quand je finis, je vous réponds. Ok, alors, vous me dites tout à l'heure, là, c'est bon? Oui, à tout à l'heure. Ok, merci. Mm-hmm. Tu me dis que je suis hypocrite. Si ce n'était pas affaire de puteur, Sylvia, tu n'allais jamais sortir pour me manquer de respect.
Tu n'allais jamais sortir pour dire que Lolo Beauté, tu es hypocrite. Mais le plus grand hypocrite, c'est ton grand frère. Le plus grand lâche qui m'a appris que quand quelqu'un est dans un moment de faiblesse, c'est en ce moment précis qu'il faut venir appuyer sur sa tête. C'est ton grand frère. Peter, tu as accouché, Sylvia. Tu as porté un enfant pendant 9 mois. Dis-moi, Sylvia, en moment précis, peut-être que tu n'étais pas sur les réseaux sociaux parce que tu es une nouvelle arrivante. En ce moment précis, qu'est-ce que j'avais fait à ton grand frère Peter? À être sur ma vie, un plein de sang. Vous voyez comment le karma existe? Va regarder les vidéos de Peter. C'est fut plein décembre, en période de fête, que Peter est venu s'asseoir sur ma vie. La même chose, je fais copie et puis je renvoie. Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous me dites que oui, Peter t'a demandé pardon parce qu'il a fait du tort. Après combien d'années, Peter est venu me demander pardon? Laissez-moi moi aussi lui faire du tort. Après moi aussi, je suis venu m'asseoir pour lui demander pardon. Pourquoi quand c'est la famille Makoso, si ça vous fait très mal? Notre voix même ne porte plus, ma page même est attaquée. Mais quand on lance les troupes, maman, les âmes, ne te traite pas d'animal, il n'y a pas des autres. Parce que toi, je te dois du respect. Et je le dirai toujours. Vous sortez pour venir dire, non, la famille Makoso là, la famille Makoso est l'hypocrite. C'est la famille Makoso qui a dit à Peter d'être le chef de l'escadron de la mort. C'est la famille Makoso qui a dit à Peter d'aller tuer les gens en Côte d'Ivoire. C'est la famille Makoso qui a dit à Peter, il faut aller suivre Eka jusqu'à Abidjan pour aller la dénigrer. Tu sais, Sylvia Vette, je te respecte beaucoup. Je te dois une considération parce qu'on ne se connaît pas bien. On ne s'est que vu une seule fois. Et tu m'as donné ton respect. En retour, je ne dois même pas te blesser. Parce que quand la famille Makoso fait, ah oui, vous avez vu la famille Makoso. Mais dites-moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus sincère que la famille Makoso. Je suis vrai. Je pouvais garder ces émotions-là enfouies en moi. Laissez-moi me libérer. Maman, vous dites que je suis rancunière. La rancune finit lorsque ton cœur se libère. Peter est venu me demander pardon à quel moment? Au moment où lui et Eka, c'était déjà fini. En ce moment où il cherchait les alliés pour venir maintenant aller attaquer Eka. Parce que moi-même, j'étais contre Eka aussi. C'est en ce moment précis, comme un bon samaritain, il est venu poser sa chaise pour dire que Lolo Beauté, je te demande pardon. Est-ce qu'il a dit que ce qu'il a dit sur moi était faux? Quand il disait que Lolo Beauté était déviégée dans un nightclub, elle allait payer quelqu'un, il est venu dire que c'était faux. Vous pensez qu'on vient s'asseoir comme ça un matin? Que oui, Lolo, je te demande pardon. Un papon fafouillassé. Et puis tu viens t'asseoir. Non, il faut me pardonner. Oui. En ce moment précis qu'elle avait demandé pardon, là, je n'avais pas ressassé toutes les mauvaises choses qu'il avait faites sur ma vie. En ce moment précis, j'ai dit, oh, laissons-le, il est très dans le problème. Les écalons sont en train de finir avec lui. Je ne vais pas venir encore rajouter. Quand vous dites que je suis lâche et que j'attends que Peter soit en prison pour sortir là, quand on a su qu'il était marié là, c'est pas moi qui ai fait plus de 4 vidéos sur lui. Vous parlez de quelle lâcheté? Moi sur la toile, je n'ai peur de personne. Quelqu'un même qui s'attrape à un groupe de soroïstes, ils sont bons. Et puis je l'ai dit, le mercon, c'est Peter qui a me fait peur. Ou bien vous pensez que parce qu'on dit qu'on ne fait plus les clashs, on est assis là, vous pensez que le lion est en train de regarder, les hyènes en train de faire miam miam miam, et puis je vais trembler. Regarde-moi bien. J'ai fait mes 7 heures de sommeil. J'ai un visage lucide et un visage tranquille parce que je suis en paix avec Dieu. Je n'ai tué personne. Je n'ai commis aucun crime. Oui. Quand Peter était encore là, je l'ai clashé. Et je l'ai clashé à plusieurs reprises. Donc ta thèse où tu dis, j'ai attendu que Peter soit derrière les barreaux pour juger. Je vais vous annoncer. Peut-être que l'information vous n'avez pas. Peter est au bâtiment C. Dans le bâtiment C là, il y a un autre coin pire qu'on appelle la muraille de fer. Tu ne vois même pas le soleil. C'est là-bas il est. Et je le sais. Oui. Et puis ça ne me dit rien. Parce que quand quelqu'un commet un crime, il doit assumer les conséquences de ses crimes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que j'aie de la compassion? Je n'ai pas de la compassion, ma chérie. Si tu dois dire que je suis mauvaise, oui, je suis mauvaise. Je suis rancunée, je suis la plus grande hypocrite, oui. Parce que je sais étudier et renvoyer à l'ascenseur. Quand Peter s'asseyait sur ma vie, qui est venu défendre Lolo Beauté? Personne.
Qui est venu dire, quoi, Peter, arrête de mentir sur la dame là. Personne. Je me réveille un matin. Ce pourquoi même je suis sorti sur Peter. Les soroïstes de merde là. Les saoulés de Paris se réveillent un matin. Et oui, ils accusent moi, mon grand frère, d'avoir été la cause de l'arrestation de Peter. Sylvia, je vais te poser une question. Depuis que tu fais ton clash avec Emmanuel Keïta qui ne finit jamais là, je suis une fois venu te dire, Sylvia, arrête ton clash avec Emmanuel Keïta. Ou bien Sylvia, tu es hypocrite, arrête, fais ceci. Je ne suis jamais venu te le dire parce que je te respecte. C'est toi seul qui as vécu ta situation avec Emmanuel Keïta. Donc si tu es en train de faire ton palabre, malgré qu'il y ait une procédure judiciaire, que par la grâce de Dieu tu es sorti vainqueur, sans sommation, je ne suis jamais venu te dire, il faut arrêter avec Emmanuel Keïta. C'est quelle palabre qui ne finit jamais. Je ne viendrai jamais te dire ça. Oui, parce que je te respecte. Parce que la situation que tu as vécue avec Emmanuel Keïta, je n'étais pas là-bas. Alors la situation que j'ai vécue avec Peter, ton problème se trouve où là-dedans? Ma très chère grande soeur, ma petite soeur. Oui, Peter n'est pas de ta famille biologique. Le général est de ma famille biologique. Oui, je te le dis. Et quand on attaque mon grand frère pour des choses injustes, si le blogueur attaque mon grand frère, ça ne me dit rien parce que ce sont nos animaux. Ça ne me dit absolument rien. Parce que sans le nom de la famille Makosso, ils ne peuvent pas tenir leur blog. Oui, ça ne me dit absolument rien. Je n'ai pas besoin de venir défendre mon frère. Mais par rapport aux soroïstes, aux cyberactivistes, la première fois, ils ont essayé, lorsque le général est venu démonter par A plus B qui était Chris Yapi, ils ont voulu finir avec mon frère. Ton propre grand frère, il est comme il s'appelle là, Peter, a fait la géolocalisation de l'appartement de mon frère. Tu étais où en ce moment précis? Pour venir lui dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Un criminel reste un criminel, ma chérie. Le moment où on attaquait mon frère pour lui dire il a tué sa femme, en ce moment, il était supposé être un criminel. Seule la justice devait faire lumière sur le crime envers sa femme. Vous m'avez vu venir attaquer une personne sur la toile pour dire que laissez mon frère n'est pas criminel. Je dis allons à l'autopsie. Les plus grands hypocrites sur la toile, c'est les personnes qui voient la vérité. Mais comme c'est la famille Makosso, ils font comme si, non, nous là, on doit tout accepter. On nous attaque, on n'a qu'à accepter. On nous fait ceci, on n'a qu'à accepter. Quand on veut se défendre, même si vous dites que mon volume n'est pas fort, mais c'est pour nous là, vous entendez bouler dans vos oreilles. Sylvia, je t'ai une fois posé une question sur ton affaire avec Emmanuel Keïta. Non, par respect, par considération, pour le mal que cette relation avec Emmanuel Keïta a pu te causer. Jamais j'ai mis ma caméra pour essayer de te dire, de te dissuader de quoi que ce soit, parce que c'est ton combat à toi. Alors je suis dans mon combat. Où est le problème, ma chérie? Avec une lettre amourette que tu es venue me faire. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai regardé ton direct, j'ai regardé ce que tu as dit. J'ai dit, mais attention, on peut aimer quelqu'un comme ça. Ma petite soeur Sylvia, tu sais, je sais, l'amour, là, ça finit jamais. C'est toujours là. Parce que tu sais que j'ai raison. Mais comme ton grand frère en prison, ça te fait mal. C'est tout à fait normal. Même si tu dis, non, beauté, ton bas bien, je vais accepter. Pour ton grand frère, je t'encourage à faire tout et n'importe quoi. Mais laisse-moi, moi, Lolo Beauté, la digne sœur d'Atangana. Oui, c'est moi. Laisse-moi aussi régler mes comptes avec les cyberactivistes. Le reste, je n'en ai rien à foutre. Ils ne m'intéressent même pas. Tranquille. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit sur Lolo Beauté? Qu'on va apprendre? Que dirais-je? Mais mes chéris, arrivé un moment, évoluons dans le clash, évoluons dans les cassements des papos, évoluons dans nos styles de gérer nos blogs. Oui, c'est moi, Lolo Beauté, qui ai fait le son. Alors, où est le problème? La lâcheté, là, c'est Peter qui m'a appris ça. Peter m'a dit, quand une femme vient d'accoucher, qu'elle est nourrice, qu'elle ne peut pas se défendre parce qu'elle ne dort pas la nuit, sans ce moment précis, il faut venir l'attaquer. Moi aussi, j'attends. J'ai regardé, j'ai dit, je ne parle pas de ça. C'était pour ton respect que j'ai dit, je laisse cette histoire. Vous pensez que quand on vient demander pardon, là, en même temps, comme quelqu'un t'a demandé pardon, il faut oublier. La famille Makosso a demandé pardon à plusieurs personnes ici, hein, mais toujours continue à nous clasher.
Ma chérie, sur les réseaux sociaux, le pardon, s'il ne compte pas, on est dans le game. Le pardon, s'il ne compte pas, on est dans le game. La macrosote est lime-les. C'est le game. C'est le game over. Mais pourquoi maintenant le game maintenant? Maintenant en train de traumatiser d'autres personnes. Non, la famille Macron est hypocrite, mais c'est aujourd'hui vous savez que nous on est hypocrite. Mais sans nous, sur la toile, vous ne pouvez pas tenir un blog. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous me regardez, moi attendez, j'ai monté sur la chaîne. Vous allez bien voir mon petit popotin qui est sorti là. Quand vous me regardez. Attendez, poussez un peu. Aïe, aïe, Adama. Rien comment j'ai poussé dans la paix. Rien de ma paix, comment ça m'a envoyé. Rien. Amazon, zongo, 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 zongo. Ça, là, y'a allé me mettre dans les choses inutiles. Vous ne me connaissez pas, hein. Vous n'avez jamais appris que rien ne touche le loboté. Rien. Le fait de multiplier 50 directs sur le loboté. J'ai bloqué toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Les seules personnes que je n'ai pas bloquées, c'est toi, Sylvia Vette, Loli et l'unique Baker. Vous êtes les trois personnes que je n'ai pas bloqué vos pages. Parce que le reste, là, pour moi, c'est des animaux. Et les personnes que je considère encore comme des êtres humains, c'est vous les trois, là. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu bloques la personne. Tu n'es même pas au courant de ce que la personne fait ou la personne dit. Il y a longtemps, j'ai fini les autres. Parce que ce sont mes animaux de compagnie. Quand il dit, bulldog, viens. Petit feu, là, allumé hier seulement. Là. Les choses sont en train de trembler. Je vois le perroquet, avant de travailler, m'appelle. Pour lui dire, Lolo, beauté, tu as vu ce que les gens font. Il dit, ce sont mes animaux. Je les connais. Quand je dis, la clôture est ouverte, ça saute là-bas. C'est moi, je maîtrise les réseaux sociaux. Combien vous ne savez pas ça encore? Donc, ma soeur Sylvia, c'est vrai. Par rapport à toi, par rapport à toi seulement, parce que Jesse J, il n'est rien dans mon affaire. Par rapport à toi seulement, je défais mes têtes sur Peter. Oui, ça je te l'octroie. Pour le respect que je te dois et la considération, je ne devais même pas venir sortir sur Peter. Mais qu'est-ce qui a poussé la sortie de Lolo Beauté? C'est lorsque Soulé de Paris, ce petit sraka de la Côte d'Ivoire, est sorti pour venir dire que la personne qui est à la base de l'arrestation de Peter, c'est le général Camille Makosso. Tu as vu, ne joue pas à l'hypocrite. Pourquoi quand tu as vu ça, tu n'es pas sorti pour dire que non, c'est pas le général. Arrêtez. Donc, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir défendre mon frère, à part moi-même. Sur la toile, nous sommes des lions. Oui, tu es une lionne, je suis une lionne. Je suis une lionne panthère. Tu défends tes intérêts, je défends mes intérêts. Et comme les soroïstes, ils sont en train de défendre quelqu'un qui disent aimer et puis fait accuser mon frère. Moi, je viens, je mets ma tête sur, comme on appelle ça, sur Peter. Parce que lui et moi, on est un ramba. Si tu es un ramba avec moi, règle ton ramba. Si je t'ai vu, dis Dieu merci. Si je t'ai pas vu aussi, dis Dieu merci. Ben, il ne veut jamais répondre à quelqu'un sur la toile. Je vous l'ai dit, je n'ai qu'une seule parole. Quand je décide de ne plus faire quelque chose, je ne rentre pas dedans. Mais pour mon frère, contre les cyber-artifices, parce que eux, ce sont les criminels. Les blogueurs, là, c'est des petits chiots qui aboient, qui ne mordent pas. Donc, pourquoi venir les répondre? Pourquoi venir mettre ma caméra pour répondre? Soit à pantalon, soit à quoi que ce soit. Je ne vais pas venir les répondre. Parce que eux, ils aboient, mais ils ne mordent pas. Ils ne mordent pas. Mais les cyberactivistes là, comme Peter là, c'est des criminels. C'est des personnes qui dépassent le cadre de blog pour maintenant venir s'attaquer physiquement à la personne. Peter a menacé plusieurs fois mon grand frère. Que si lui le voit, il va le tuer. Même comme on appelle ça, à la maison, parlons-en. Que oui, j'ai vu Peter. Quand Peter a demandé pardon et tout ça là, c'est toi, Sylvia, que j'ai appelé. Je t'ai dit que je veux faire un buzz avec Peter. En ce moment, c'est vrai. Je n'avais rien dans mon cœur. Il n'est pas là pour se défendre, mais il va sortir. Il ne va pas mourir en prison. Il touche du bois. C'est un guerrier, il va sortir. Et ce que je dis là, comme c'est un menteur, quand il va sortir, il sera apôtre. Il va venir dire la vérité sur les propos de Lolo Beauté. Je t'ai appelé. Je t'ai dit, c'est vrai, je vais faire un buzz avec Peter. En ce moment précis, son pardon, tout ça, j'avais laissé tout tomber. Parce que nous, la famille Makosso, on n'est pas rancunier. Mais quand tu veux nous montrer qu'on est pas bien là, on fait sortir des dossiers. Parce que sur la toile, là, vous tous, vous aimez faire sortir les dossiers passés.
Je t'ai appelé pour te dire que je vais faire un buzz avec Peter. Mais malheureusement, la jalousie de papa, la vendeur d'eau glacée, est venue gâter ce buzz-là. D'après lui-même, mon pétou est sale. Il est rentré dans la chambre et moi, mon pétou est sale. Mais c'est le même quand je vais créer buzz avec quelqu'un qui vient stopper le buzz. Ça lui fait tellement mal. Adama, moi j'ai dit que je vous oublie. Oubliez-moi. Quelqu'un dit que le pétou ne sent pas bon. Moi j'ai dit que le bangala ne se lève pas. Moi j'étais oublié. Mais c'est pour moi la matinée. Me dit ceci, je ne parle pas de l'eau beauté. Ah, André, mon pétou te manque. Tu veux encore retenter l'expérience pour voir si papa n'a l'eau glacée, ça va s'élever. Mon frère, ça ne va pas s'élever. Ça ne s'élève pas. Depuis l'eau beauté qu'aujourd'hui, il n'y a pas go, il n'y a pas femme. Parce que tu t'accroupis comme cela. Et on prend ton derrière. Ça ne sert à rien de venir dire. Je ne fais plus les clashs. Je suis allé matin à la page de Loli, la fracasseuse. Et puis j'ai vu les captures. Là, j'ai dit, il ne peut pas oublier mon poitou. Parce que quelqu'un qui a vu le paradis et puis qui n'a pas pu rentrer dans le paradis, il n'oublie jamais le paradis là. Il est toujours là. Ah, le poitou refoulé. Ah, quand le poitou est refoulé, on oublie. Mais quand le poitou, on a voulu attraper le poitou, que papa n'a l'eau glacée. Maman, si ça ne s'est pas levé, arrête de parler. Mon frère, en plus d'être petit, ce n'est pas levé. Je suis la seule femme sur la toile là qui a pris son courage à deux mains. Oui, la seule femme qui a pu pénétrer dans une chambre. Je suis rentrée dans ta chambre. J'ai fouillé. Il a dit, j'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai cherché, cherché. Ce ne s'est pas levé. J'ai fouillé, fouillé. Papa n'a le glace et dit, je ne me lève pas. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, ça se lève pas, lève pas. J'ai fouillé, fouillé. Ma chérie, prends-moi pas derrière. Celle-là, là, ça peut marcher. Je ne vais même pas rentrer en clash avec toi. Tranquille. Voilà, à la poubelle directe. Oui, bah, il n'y a pas le vent, quelque chose qui est mis dans mon caleçon pour aller donner à mes clientes. Propriété et à choix, c'est l'eau beauté. Une femme, quand tu regardes, tu as envie de mougou, c'est l'eau beauté. Mais si pour toi ne s'est pas levé, papa n'a dû glacer, vendeur d'eau glacée. Mais est-ce que c'est de ma faute? Tu dis que tu ne fais plus de classe, ça c'est entre parenthèses. Mais toujours tu es sur l'eau beauté. Mais posez-lui la question, c'est Goumé qui peut faire ça. Sinon tu as dit sur la toile que toi tu ne fais plus de clash. Tu t'envoies sur la page de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais l'eau beauté, l'eau a tout barré. Tu t'envoies sur la page de quelqu'un, allez me clasher là-bas. Mais là, le véritable lâche c'est toi, la femmelette c'est toi. Le pâteau de l'eau beauté te manque. Dis ah, allez-y demander pardon à l'eau beauté. Parce que depuis l'affaire s'est passée, tu n'oublies pas. Il faut que ça s'élève. Je suis sûr que chaque matin, il chicote ça. Pah, 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 lève-toi. Ça ne va pas s'élever. Atese Kadjigila. Atese Kadjigila. Ablakolo. Lala. Kaoboda. Laisse le nom de Lolo Beauté. Pardon, mon grand frère. Tu as atteint la quarantaine sans enfant. Pense à fonder un foyer. À faire une vie. À évoluer. Oublie l'eau beauté. Le problème, c'est lequel? Adama, quand un pétou est profané, on oublie le pétou. Désolé, ma connexion a un problème. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Pompez les cœurs, sécurisez. Quand je dis la vérité, là, les autres ont mal. Pompez les cœurs, sécurisez le direct et puis partagez le live. Un pétou qui ne t'a pas fait bander, tu oublies le pétou. Tonton, je te demande pardon. Fais un effort. Il faut oublier le pétou de Lolo là. Pardon. On t'invite sur les chaînes Lolo Beauté. On fait ici Lolo Beauté. Pourtant, moi, j'ai dit, c'est vu et ignoré. Mais en l'occurrence, c'est toi qui n'as pas encore oublié. Tonton, la connexion, je ne sais pas si c'est la connexion, si on t'a attaqué le direct, mais sécurisez le direct parce que j'ai fait vite au parti. Je vais conclure. Tonton, toi et moi, on ne se connaît pas. Moi, là, j'ai décidé de t'oublier. Oublie-moi si tu es garçon. Ce direct que je fais, là, c'est le dernier direct que je vais parler de tout cela. Maintenant, pour toi, ma soeur, Sylvia Vett, j'ai fini de libérer mon cœur. Il faut noter ça quelque part. Ce que j'avais à dire de Peter, j'avais à dire des cyberactivistes, et puis ils ont libéré la vie de mon frère, là. J'ai fini. Donc, je passe à autre chose.
Comme tu avais mis un test, fallait que je vienne te répondre pour te dire qu'on ne peut pas être en clash. Tu défends ton grand frère, je défends mon grand frère. Alors, défendons nos grands frères dans la paix du Seigneur. Si le général Camille Makosso t'a fait, allume-le. Si moi, Lolo Beauté, je t'ai fait quelque chose, sors, allume-moi. L'unique Becker est ma personne. Mais quand le général déconne, il sort, il allume. Cela ne veut pas dire que lui et moi, on est ennemis. Quand Loli, le général fait quelque chose, il sort, il allume. C'est les choses. C'est vrai. Sylvia, c'est vrai. À cause de ce qui nous lie, je ne devais pas sortir sur Peter. Mais je suis un être humain. Si souvent, là, je fonctionne comme un être humain, je ne suis pas un robot. S'il y a des souvenirs qui reviennent, on va finir direct. S'il y a des souvenirs qui reviennent en moi, qui me font mal, je m'exprime. Après ça, je passe à autre chose. Pour Peter, là, ça m'a fait mal. Pour ce que les gens sont venus dire sur le général, les cyberartifices, ça fait remonter beaucoup de choses en moi. Je suis venu m'exprimer. Oui, j'en ai fini, je passe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce pourquoi je suis sorti là. Si ça t'a blessé, Sylvia, je te demande des excuses. Mais je suis désolé. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Je suis désolé. Franchement, que tu acceptes mes excuses ou pas, et tu le sais qu'en matière des réseaux sociaux, chacun règle ses comptes comme il peut. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toutes mes excuses, si cela t'a blessé, mais ma petite sœur, je suis un être humain. Si quelque chose me fait mal au moment précis, là, je vais tout gâter. Quand ça passe, ça passe. C'est comme ça, ça est. Voilà. Donc, c'était Lolo Beauté. Pour toutes les personnes qui veulent les produits de Lolo Beauté, contactez-moi au 00337 au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79. J'ai mis sur ma page, pour toutes les personnes qui veulent aller en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui ont besoin d'une résidence meublée, j'ai mis ça sur ma page. Une grande villa de plusieurs pièces avec une piscine à port. Vous pouvez contacter le numéro que j'ai mis sur mes différentes pages pour pouvoir réserver. Parce que c'est la fête. C'est le moment de lever. C'est le moment d'être dans un cadre féerique. Tranquillement, tranquille. Pour faire les bonnes choses. Moi-même, le beauté m'a Abidjan. Pour la première fois, je vais lever devant vous. Je vais vous montrer mon chéri, celui qui me rend heureux. On sera ensemble tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, préparez-vous. Voilà pourquoi je vous dis, abonnez-vous sur ma nouvelle page Résumé Meta. Pour toutes les personnes que mes sorties ont blessées, je vous demande des excuses. Oui. Quand nous, on nous demande pardon, là, vous dites que oui, nous, on est hypocrite, on n'a pas accepté. Bon, là, là, maintenant, moi, je vous demande pardon. Vous allez accepter ou pas. Si vous n'acceptez pas, c'est que hypocrisie, là, on est beaucoup dedans. Ah oui, oui, oui. Donc, maintenant, j'en ai fini. Mon cœur est libéré. Mon cœur est déchargé maintenant. C'est fini. Hypocrisie est partie. Ma petite soeur Sylvia, amène-moi l'eau bénite. Je suis possédée. C'est les démons de mon village qui sont venus sur mon comme ça. Et puis, ils t'ont fait du mal. Je pense que tu dois amener mon adresse 18 rue de Vizien 92 400 Courbevoie. Deuxième adresse 20 rue d'Albert 95 140 Gage le Gonaise. Pardon, huile. L'eau bénite que tu bois là. C'est les démons. Je suis folle. Vous-même, je ne sais pas pourquoi vous prenez les choses. Qu'est-ce que Lolo Beauté fait là-même en premier degré? Vous savez que souvent, même, je dégame. Oui, parce qu'il faut que la toile mouque. Il faut une personne pour venir réveiller le reste. Donc, petit, de toutes les manières, ce n'est pas moi qui l'envoie au bâtiment C. De toutes les manières, c'est quand je dis, c'est quand je ne dis pas, il est au bâtiment C. C'est déjà gâté. Actuellement, pio pio. Amène-moi un peu, quoi. Comme mon huile bénite, là. Un peu l'eau bénite, là. Il y a pas un peu. Les démons là sont pas bons. Je prie le Seigneur pour que les démons là partent. Mais souvent ça revient. Oh, ma petite soeur chérie, il faut pas te fâcher contre moi. Tu as le droit de défendre ton grand frère. J'ai le droit aussi de faire le palabre de mon grand frère. J'ai le droit aussi d'avoir des ressentis de ce que Peter m'a fait à moi et mes enfants. C'est revenu. Mais je t'assure, c'est fini. C'est parti. Donc il faut m'envoyer l'eau bénite là. Je vais boire. Ah, ma large bouche là. Ça va faire là, va finir non. Tanti, Sylvia, faut m'envoyer l'eau bénite à nous. Il y a boire et puis c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Maintenant, si mes propos t'ont blessé, te demande pardon. Ah, petite sœur Sylvia. Tu sais que moi, je suis nongono. Tu sais que je suis amusante comme toi. Anangonongo. Anangonongo. Voilà. Maintenant, les autres moutons, les cabrioles, les animaux de compagnie d'à côté.
Tap, tap, scène. Je peux prononcer même votre nom là-même, c'est trop vous donner de l'importance. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez l'application Tap Tap Sen. Vous téléchargez Tap Tap Sen. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez LOLO225. Avec ce code promo, vous avez 5 euros ou 10 dollars offerts par l'application Tap Tap Sen. Zoom, allez-le-o, aïe-wa, allez-le-o, aïe-wa, zoom, allez-le-o, zoom, allez-le-o. Ils ont libéré, allez-le-o, ils libéré, allez-le-o. Les démons de Lolo viennent de partir. Eh, Adama, c'est une femme comme ça, vous voulez faire clash. C'est une femme comme ça, vous voulez faire clash. Chérie, allons-y travailler. Ma petite soeur, tu sais que c'est moi, la coach du travail. Maman, la chef d'entreprise, tu es ma collègue. Donc arrête de te fâcher. Anougou, nougou.